Haïti, je dis, a fait face à toute qualité de difficulté. C'est pour ça, CNSA, qui c'est coordination nationale qui a pour sécurité alimentaire, qui sorti rapport sous pays d'Haïti, et dans ça qui est pour avec sécurité alimentaire. Donc, dans le rapport, ça, CNSA a publié. Hein, il fait état de 12% de la population qui a fait face avec une famine qui est grave. Lundi, famine, ça veut dire gros grand goût. Donc, 12% haïtiens menacés avec famine dans le pays d'Haïti. Et donc, c'est sa prévision bah, sur Haïti. Donc, CNSA lui-même n'est pas caché inquiétude par rapport avec dernier chiffre ça qui pas suspendre évoluer. Donc, après CNSA qui présente le rapport sur situation de sécurité alimentaire, pays d'Haïti a fait face aux jeunes populations haïtiennes a fait face. C'est tout par UNICEF qui se fond des Nations Unies pour l'enfance qui lui-même tout présente le rapport sur situation de sécurité alimentaire pays. Il même était plus basé sur la petite enfance, sur Timounio, c'est eux-mêmes qui champ d'action UNICEF, d'ailleurs, les fonds des Nations Unies pour l'enfance. Donc, eux-mêmes, dans le rapport présenté, ils ont fait état d'environ 200 000 Timoun, 200 000 petits Haïtiens qui potentiellement capables d'atteindre de malnutrition aiguë et sévère. Là. Donc, et d'après le rapport UNICEF, là, son situation qui est très alarmante par rapport avec l'année dernière. Parce que leur comparé données année 2021 par rapport à l'année 2020, t'as gagné environ une hausse de 61% de timoun qui atteint de malnutrition aiguë et puis sévère. Donc pour ça nous parle Brasserie Densouli, restez branchés, n'a pas tourné. Gros salutations à nous toutes mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous entrer la carreau pour nous porter information qui concerne le pays d'Haïti avec le monde baou. Donc abdou merci parce qu'on prend ton bout de nous. Merci parce qu'on fait nous confiance. Et nous bienvenue sur Peine Connectée Channel. Non, c'est Wilson Octavius et plateforme Soulian, c'est tout haïtien connecté qui est pour SIG TAC 509. Donc, j'aime dire à nous ne pas plus bon, pas plus rassurant que ça pour pays d'Haïti. Côté nous avons CNSA qui est Coordination Nationale Sécurité Alimentaire, il mettait rapport l'IDEO et sous situation d'insécurité population a fait face. Donc, dans le rapport, ça, CNSA fait état de environ 12% de population qui sous menace et qui sous gros menace insécurité alimentaire. Côté d'après classification, on sait de entité mettez dehors dans sa gain pour insécurité alimentaire. Haïti a déjà dans niveau 5 ans. Niveau 5 ans, c'est dernier niveau. Hein, et niveau qui vient après, sûrement, c'est crise humanitaire liée. Donc là, Haïti déjà fait partie de niveau 5. Côté situation grave dans le pays, dans sa gué pour avec insécurité alimentaire et déjà gué environ 12% de la population qui concernait face à la situation d'insécurité sur le plan alimentaire et qui gagne aujourd'hui. Donc 12% de la population, si nous faisons un calcul, sur chaque 100 moun dans le pays, ça veut dire déjà aujourd'hui 12 moun qui dans insécurité alimentaire. Cause qui fait Haïti placé dans le niveau 5 dans sa gué pour avec insécurité alimentaire. Donc première cause, c'est et flambé prix produits première nécessité qui sont résultat de dégradation goût là. Donc après augmentation prix produits première nécessité yo gagne tout mauvaise performance qui gagne dans secteur agricole là dans pays d'Haïti et comme nous tout connaissons une situation qui présentait là côté depuis quelque temps Haïti parce que pas produit rien dans salade manger. Donc gagne tout et question Covid-19 là nous connaissons c'est un élément qui ralentit travail ou du moins ralentit action qui t'a dû exécuter pour augmenter production nationale dans le pays. Donc ça sont l'autre cause qui fait et Haïti placé dans niveau 5 insécurité alimentaire là. Gagne tout crise politique là parce que nous connaissons crise politique lui-même et qui dégâts qui ravage les fait dans l'économie pays qui ravage les fait dans la société en général et après crise politique là gagne tout situation d'insécurité cap ravager pays hein. Ça lui nous pas besoin parler de lui, tout le monde là, tout le monde constater comment bagay ça fini à pays hein, comment bagay ça fini à population hein. Et après situation d'insécurité lui même pour qu'on parle qui dégâts li déjà fait dans pays hein, côté handicapé toute activité dans pays hein, toute activité économique, tout ça qui ca générer l'argent entre devises dans pays hein. Donc situation insécurité pour qu'on parle li gantan jouer un gros rôle dans mettre population dans insécurité alimentaire. Donc c'est pas seulement CNSA qui mettait rapport l'IDEO sur insécurité alimentaire qui gagne dans pays, gagne tout UNICEF qui c'est Fonds des Nations Unies pour l'enfance les mêmes qui était plus basé sur réalité timounio dans pays. Donc d'après rapport UNICEF lui-même limité dehors, t'a gagne menace sous tête environ
200 000 petits monde dans pays pour ta faire maladie ou les malnutrition et pas seulement malnutrition mais malnutrition aiguë et puis sévère. Donc là on mettait thème ça ou les malnutrition. Donc c'est pour montrer là qui niveau malnutrition est. Donc toujours d'après rapport UNICEF là qui t'a fait une comparaison de l'année précédente là, nous voulons parler de 2020 à 2021. Donc pour l'année 2021 seulement, dans trois premiers mois, il y a environ 26% de monde qui a mis dans une centre hospitalier parce qu'ils ont souffert de malnutrition aiguë et sévère. Donc c'est une situation qui est très alarmante. Donc dans ce sens, UNICEF lui-même a présenté un plan d'action pour Haïti qui est supposé concerner environ 1,5 million monde côté 700 000 là-dedans. Donc c'est prise en charge, monde qui victime de malnutrition, UNICEF fait connait, il est tablé disposé de environ 48 millions de dollars pour prendre en charge environ 1,5 million monde, donc 700 000 là d'ailleurs, c'est monde. Donc là normalement il y a deux entités qui sortent rapport yo sur pays d'Haïti dans sa gain pour avec alimentation, il y a CNSA, je suis désolé avant qui c'est coordination nationale et la sécurité alimentaire. Donc même sorti rapport sur pays d'Haïti, il y a tout UNICEF qui sorti rapport li. Donc deux rapports ça aussi on t'a essayé établir un lien avec eux, nous voyons pas vraiment département. C'est que CNSA lui même dans cadre rapport dressé il concerne la population haïtienne en général, mais UNICEF lui même il plus basé sur nous parce que nous connaît et l'enfance c'est domaine d'intervention UNICEF. Donc même yo, et on dit yo plus considéré et de éléments de paramètres qui concernaient et la petite enfance. Donc la même c'est pas de rapport qui est différent et quand on regarde des chiffres, on regarde des données, on ouais et presque tous les deux rapports bah, ils décrivent même réalité et côté CNSA montre population non insécurité alimentaire qui grave et UNICEF lui-même montre petit monde à cause de insécurité alimentaire qui vient côté parents vraiment pas de possibilité pour prendre soin de ti moun yo. Là c'est réalité un de rapport ça au décrit pour montrer si pas rien qui fait dans les jours à venir mais comment situation à venir. Mais pas oublier nous gagnons une situation actuellement qui a évolué dans le pays surtout sur le plan sécuritaire. Donc si pas rien qui dit et rapport qui blessé sur Haïti on dit c'est le rapport qui fait de considération ou du moins qui utilisé de paramètres et habituels. Mais là nous gagnons une situation exceptionnelle côté n'a fait face en crise politique et ajouté avec une situation d'insécurité grave. Donc là c'est deux paramètres qui capable compliquer la vie population qui capable changer donner tout parce que nous connaissons les rapports à tout moment qui a évolué. Donc normalement situation d'insécurité pays gagnant et probablement il va changer donner qui c'est CNSA te mettre dehors ou du moins UNICEF te mettre dehors. Raison pour laquelle nous avancer avec argumentation ça c'est que situation de sécurité qui gagne aujourd'hui on dit il est censé diviser pays en deux parties. Aujourd'hui une partie sud pays qui déconnecté avec capitale là. Là on a fait une idée de réalité comment déplacement mon yo il diminue, il réduit considérablement. Pas de communication, pas de transport. C'est-à-dire machine pas qu'à sortir en province pour porter denrées dans Port-au-Prince pour porter une série de leurs produits yo fait dans zone yo. Donc, où est le niveau de situation d'insécurité qui affecte les pays? Donc, pas vraiment de communication entre les pays. La population n'a pas vraiment de possibilité pour vaquer librement, n'importe côté le vle dans le pays. Donc, ils sont prisonniers dans le pays. Imaginons dans la zone provinciale, dans la ville provinciale, et qui quantité de produits qui ont gâté, qui ont gaspillé pendant ce temps. Dans le Port-au-Prince, là, et on dit qu'il y a besoin d'urgence pour produire, à entrer parce que, on dit, la situation alimentaire a commencé à aggraver, a commencé à dégrader. Et dans le pays, donc là où est la situation de sécurité, lui-même, comment elle affecte le pays. Et on va essayer, et je dis, sinon, on va il y a quelques heures de cela, l'autorité policière est sortie sur note pour faire connaître la police a accompagné environ une centaine de camions pour prendre un produit pétrolier dans le terminal qui est trouvé au sud Kafoulan, et spécialement dans la zone de la marine, pour te traverser Mantissa avec eux, pour entrer dans la capitale, pour assurer livraison et pour approvisionner et pompe à essence. Donc là, depuis le conflit a été éclaté en Tibois et Granville, pas vraiment de possibilité pour camions et produits pétroliers de franchir la zone Sao et par peur pour ne pas être victime ou du moins pour ne pas quitter pour eux. Donc là, ce n'est que environ après 20 jours, l'autorité policière a décidé de prendre initiative pour sécuriser les cargaisons qui est remplie avec produits pétroliers pour livrer dans le port.
Donc ça veut dire qu'on a un produit pétrolier qui est important sur le transport dans le pays d'Haïti, qui est le transport marchandises, qui est le transport monde. Donc là, il y a une importance majeure. Et si normalement, le phénomène d'insécurité par une solution qui je n'avais, donc vous imaginez comment la situation est compliquée dans le pays, hein, surtout sur le plan humanitaire et sur le plan alimentaire. Donc là, la poste CNSA et UNICEF mettent dehors, ils ont dit vrai, mais il y a des initiatives tout, qui vous prennent pour porter et un changement pour ton amélioration en situation ça. Parce que là où il y a identifié un problème là, qui fait et on dit 12% de la population dans insécurité alimentaire grave et que on dit environ 200 000 timoun dans le pays et a fait face à malnutrition aiguë et sévère là. Donc là si on a identifié un problème là, nous avons une cause. OK, donc si nous jouons une cause, probablement nous avons de résultats, nous avons de pistes de solution. C'est vrai, UNICEF lui-même dit dans le plan l'a exécuté dans le pays hein, et ils font demande environ 48 millions de dollars donc dans le cadre plan d'action l'a exécuté dans le pays d'Haïti pour accompagner environ 1.5 million de monde dans le pays hein, côté 700 000 là c'est à 6 monde supposé jeune accompagnement que l'État et ONG ou du moins d'autres entités dans le pays hein, t'a supposé encadrer pour éviter yo ta victime avec sa malnutrition. Donc c'est là la campagne pour aujourd'hui. On a besoin merci parce que tu prends le temps pour t'aider nous. Nous sommes Wilson Octavius et la plateforme n'a pas oublié, c'est tout haïtien connecté 509. C'est-à-dire TAC 509. TAK 509. Donc c'est notre plateforme là où sous lien. Donc si vous abonnez, on a besoin à faire ça. Comme ça, on va prêter à quelques vidéos. Donc on a besoin merci encore parce que tu prends le temps pour t'aider nous. Et on a besoin à très bientôt pour une autre édition information. Ciao.